Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo spéciale piscine. Alors je suis dans ma piscine pour cette présentation. Aujourd'hui on présente une vidéo de la maison Arkis. Un parfum de la maison Arkis, le créateur, c'est Carlos Hubert. C'est un architecte spécialisé dans le patrimoine et les monuments historiques. Et cela se reflète dans chacun de ses parfums. Chacun de ses parfums va raconter une histoire, un lieu de manière très, très précise. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente Sydney Rockpool. Pour créer ce parfum, ils se sont inspirés des piscines de roc qu'on retrouve à Sydney, en Australie. Donc, là où la mer se jette, il y a des piscines qui se creusent dans le roc et les gens vont se baigner dans ces piscines-là. Alors, Sydney Rockpool, c'est un parfum créé par Rodrigo Flores Roux. Alors, on se met dans l'ambiance, c'est l'heure est dorée, janvier 2016, Sydney. Les vagues se brisent sur les rochers de grès. Votre peau rayonne sous le soleil chaud et un ciel australien flamboyant. Lorsque vous sortez de l'eau, une douce brise souffle à travers les jasmins et les frangipaniers à proximité, se mêlant au parfum subtil de la mer, du sel et des rochers. Prenez un moment pour plonger et laissez-vous imprégner de cette fragrance évocatrice. Alors, ce parfum, il est magnifique. Les notes incluent un accord minéral, accord de peau de noix de coco, qu'on sent bien, le bois de santal australien, il y a une note de bois séché, l'absolu de narcisse, du frangipanier, du jasmin, d'arabie, un peu d'algue, de l'ambermax et des accords de sel de mer. Alors, c'est un peu un parfum qui va être plus été, plus estival, mais sans être trop crémeux. On n'a pas le côté crémeux de certains parfums avec la noix de coco. Il y a un petit côté un peu plus sec, mais quand même, le bois de santal et la noix de coco sont quand même bien présents. C'est un parfum qui fait vraiment très piscine, qui fait pas trop salé quand même, mais qui a un bon sillage. C'est pas une eau fraîche. C'est vraiment un parfum qui tient bien la route. Et sur moi, je vais trouver vraiment plus les accords boisés. La noix de coco, elle est là, mais elle est quand même subtile. Tandis que sur la mouillette, la noix de coco, elle apparaît plus, et le bois de santal aussi. Mais c'est un parfum avec très, très bien dosé. On le trouve au Canada chez étiquette.ca en plusieurs formats. Et c'est de l'eau de parfum. Alors, merci, au plaisir!